To be free. To be free. To be free. Pour la première fois. To be free. On not to be. On s'est juré, juré de toujours tout partager. Oh yeah. Pour la première fois. To be, on s'est promis, promis d'être toujours réunis. Oh oui, pour la première fois. Il fait chaud là. Ouais, t'as raison. Oh, mais bon sang. Mais qu'est-ce qu'il fait Adèle là? Oh, tu le connais, il est toujours en retard celui-là. C'est pénible à la fin. On retient la salle pour une heure avant les vacances et il va arriver pour le dernier quart d'heure. Mais c'est pas grave. De toute façon, on part ensemble en Angleterre. On pourra répéter là-bas. Oh, je me vois bien sur les plages en train de répéter. Avec toutes les filles qui nous regardent, ça va être dément. Attends Philippe, je te préviens tout de suite, hein. On va pas passer notre temps sur les plages. Hein. Attends, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il y a plein d'endroits à visiter en Angleterre. Oxford, Cambridge, The British Museum. Ouais, c'est ça. Et puis la tête galerie aussi. Moi, je te signale qu'on part à Londres. Et à ce qui paraît, à Londres, il y a des super filles. Et les boîtes de nuit sont géniales. Moi, je veux faire une orgie de films de science-fiction avec Aurélie. Avec Aurélie? Pourquoi? Attends, elle vient avec nous, Aurélie? Bah, c'est pas nouveau, ça. Attends, je sais pas, je pensais que elle avait changé d'avis entre-temps. Bah pourquoi veux-tu qu'elle change d'avis? Depuis le début, elle est prévu qu'elle parte avec nous. Ouais, ouais, bon, c'est bon. Quoi, ça te fait pas plaisir? Ouais, non, mais je trouve ça bête de se traîner une fille avec nous pendant les vacances alors qu'il y en a des centaines qui nous attendent. Attends, Philippe, moi j'ai pas envie d'en découvrir d'autres. Point barre. Ok, ok, ça c'est ton problème, c'est bon. Salut. Oh, Julia. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête. Pour l'Angleterre, c'est fichu. L'Angleterre? Bah oui, je voulais te faire une surprise et partir avec toi. Ah bon? Oh, on avait monté ça avec Aurélie. Mais maintenant, de toute façon, c'est fichu. Mes parents refusent que j'y aille. Ils trouvent que je suis trop jeune. Et ils m'emmènent avec eux en vacances. Zut alors, c'est dommage ça, hein? Ouais, ça c'est vraiment dommage, ouais. On aurait été tellement bien tous les deux en Angleterre. Ouais, mais tu sais, faut être raisonnable, hein. Si c'est pas possible... C'est pas possible, hein. Et si t'insistais auprès de mes parents? Hein? Bah ça les fera peut-être craquer. Oh, je pense pas que ça soit une bonne solution, ça. Hein. Tu sais, faut pas entraver la décision des parents. Si tu veux repartir l'année prochaine, non, vaut mieux pas. L'année prochaine? Mais c'est trop loin. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? De toute façon, plus rien. J'ai tout dit, tout essayé, y a rien eu à faire. Ouais, c'est super sympa d'avoir essayé. T'es adorable. Mais, tu sais, on doit répéter, il nous reste plus beaucoup de temps. D'accord. Ok, bon bah, à plus. Allez, salut, à plus. Je l'ai échappé belle. Explique-moi un truc là. Quoi? T'es avec Julia, oui ou non? Mais oui, je suis avec Julia. Simplement, pendant les vacances, je ne le suis plus. Tu sais, les vacances, c'est fait pour découvrir de nouveaux horizons. T'es sûr que t'as envie d'emmener Aurélie avec toi? Bah oui. Ouais? De toute façon, tu fais comme tu veux. Hein. Ah, tout de même! Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? J'ai un problème. Je ne pars plus. Et dis bonjour, Eddy. Oh, bon petit Michel! Ça va-t-il ce matin? Ça va, je t'en remercie beaucoup. Ça, oui, ben ça, il faut m'excuser, c'est le travail, hein. Je te présente mon fils, et le petit Bruno. Le petit Bruno. Bonjour, jeune homme. Voilà, c'est fou ce qui te ressemble, dans ton fils. Hein? Je t'ai prévenu, il sait tout faire. Ouais. Alors, comme je te l'ai dit au téléphone, oui. Bruno a très envie de travailler pendant ses vacances. Eh ben, c'est bien, ça. C'est bien, mon petit Bruno. Hein, c'est courageux, ça, de vouloir travailler pendant ses vacances. Et comme il adore la mécanique, j'ai pensé à toi. Allons bon. Eh ben, tu veux que je te dise? T'as bien fait. N'est-ce pas? Ah, super. En plus, en ce moment, je recherche désespérément quelqu'un pour m'aider. Je suis débordé. Viens un peu ici, mon petit Bruno. Alors comme ça, tu t'y connais, hein? Oui,
peu, quoi. Bon, voyons voir tout ça, voyons voir, voyons voir. Tiens, tout d'abord, vérification du niveau d'huile. Pop, pop. L'huile? Oui, l'huile. Ah ouais, l'huile? Eh ben oui. Sympa. Tout ton portrait, hein? Donc, qu'est-ce qu'il me fait, là? Non, mais, le niveau d'huile, mon garçon, c'est pas là! Ça, c'est parce qu'il a le trac. Ah, le trac, maintenant. Le trac. Bon, allez, viens voir! J'aimerais bien, mais je suis coincé! Oh non, c'est pas vrai, dis! Bon, aide-moi! Allons-y, allez. Nous voilà beau. Eh, pas... Moi, je veux plus retourner là-dessous, hein. C'est plein de cambouis, c'est dégueulasse. Plein de cambouis, maintenant. Oui, ça, en général, sous une voiture, c'est classique. Hein? Non, le niveau d'huile, c'est sous le capot que ça se passe. Mais oui. Tout le monde le sait. Mais oui, tout le monde le sait, mon petit Bruno, tiens, même ton père. Bon. Allez, hop. Ouais. Tout le capot. Bon, ça va pas mieux, non? Arrête, en fait, qu'est-ce qu'il me fait, l'autre, là, enfin? Le niveau d'huile, c'est là. Ah ouais? Ah bah bien sûr, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il prend, mon petit Bruno? Tu le sais, pourtant, tu m'as vu le faire des centaines de fois. Moi, ouais, excuse-moi pas, moi je sais plus, je suis tout mélangé, j'y retrouve rien là-dedans. Ne t'inquiète pas, il apprend très vite. Ah oui? Il suffit de lui montrer. Après ça rentre, hein Bruno? Oui, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, hein? Pas de problème, on va voir autre chose. Tiens! Facile, voilà, je vais te montrer quelque chose qu'on fait à chaque révision du moteur. Hmm? Le réglage du ralenti. Ah. Non, c'est là que ça se passe. Le moteur, j'ai dit. Démarre la voiture. Hein? Démarre la voiture. Démarre la voiture. Et tu la pourris pas, hein? Dépêche-toi! Pas rapide en plus, hein? Allez, le petit Bruno. Bon, voilà, alors je te montre. Alors, le ralenti, c'est la vis qui est là, vois-tu? Alors, tu tournes dans ce sens, hein, délicatement, pour régler le ralenti. Voilà, hop, voilà. Voilà. Vas-y, hein? Non, mais pas toi, c'est pas toi, j'embauche! C'est ton fils! Mais oui, c'est pas moi qui t'embauche! C'est mon fils, j'arrive à le dire! Le petit Bruno. Vas-y, toi. Allez, vas-y. Voilà, le tournevis, la vis. Ah, la vis! Voilà. Je suis à bout. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Michel. Eddie. Mon petit Michel. Eddie. Je suis à bout, là. Dis-moi, tu es sûr que c'est une bonne idée de faire travailler ton fils dans un garage? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien réfléchi. Il n'y a pas d'autre solution. Je reste ici. Mais attends, Adèle. Ce voyage, ça fait 4 mois qu'on en parle. Tu peux pas nous faire ça comme ça. On a déjà eu du mal à convaincre nos parents de nous offrir ça comme cadeau, que tu peux pas nous faire ça, Adèle. Jusqu'à aujourd'hui, je ne réalisais pas l'effort que ça représentait pour les miens. Ouais. Et tu files combien? 3000 balles. On n'a pas besoin de tout ça pour partir. Écoute, Philippe, pour moi c'est clair. Si pour que je parte en vacances, mes parents doivent se priver, je ne pars pas. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et ils doivent se priver? Ouais. Pour me filer cet argent, j'ai appris qu'ils avaient annulé leurs vacances. Vous vous rendez compte? Ouais, évidemment. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Ces 3000 francs, tu les laisses à tes parents. On se débrouille avec ce qu'on a. Avec nos 6000 francs et ce que nous apporte Aurélie, ben on va se démerder. Aurélie? Ah oui, Aurélie, t'es pas au courant? Elle vient avec nous. Oh, c'est sympa, les gars, mais bon, je crois pas que je vais partir, c'est pas possible. Mais pourquoi? Je savais pas que mes parents avaient un budget aussi serré. Mais je vais me chercher un boulot. Avec les 3000 francs et l'argent que je vais me faire cet été, c'est moi qui vais leur payer des vacances. Mais enfin, Adèle. Vous fatiguez pas, les mecs, ma décision est prise. Ça fait tellement longtemps que mes parents s'aiment pour moi. Je peux pas rester comme ça sans rien faire. Je me dégoûterais. Moi, ouais, je comprends. Ouais, je comprends aussi, mais bon... Si tu viens plus avec nous, c'est pas pareil. Je suis désolé, Philippe. Je peux pas faire autrement. Hein. Du coup, ça me donne même plus envie de partir. Bah, moi, je me suis organisé avec Aurélie. Je peux pas tout annuler au dernier moment. C'est pas possible. Évidemment. Ça sert à rien de rester ici. Hein. Plus je me sentirai responsable. Ouais, mais avec toi ici et Franck avec Aurélie, qu'est-ce que je vais faire, moi, là-bas? Je vais leur tenir la chandelle, c'est ça? Philippe? Alors bon, salut Karine. C'est super. Je me suis arrangée, je peux venir avec vous à Londres. À Londres? Ben oui, avec toi, c'est super, non? Regarde, j'ai même été prendre mon billet.
Ah oui, c'est super, mais on part plus du tout pour Londres, là. On part pour Édimbourg. Hein? Édimbourg? Oui, en Écosse? En Écosse, c'est ça, ouais. Je suis désolé, mais... Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave, Édimbourg, c'est pas si loin que ça de Londres. Je crois que je peux m'arranger. Attends. Attends, hey, Karine, attends deux secondes. Attendez, expliquez-moi un truc. Pourquoi vous riez comme ça? Vous riez comme ça? Alors, et quand lui il a giclé partout, oh t'aurais vu le regard du père Laplace. Il devait être furieux. Et même pas, il était, comment dire, compatissant. Il devait se dire que mon père avait vraiment pas de chance d'avoir un fils aussi naze. Mais pourquoi est-ce que t'es allé à ce rendez-vous si tu voulais pas du job? Bah parce que ça faisait une semaine que mon père me bassinait. Bruno, bravo pour ton bac, hein. Tu vas entrer à la faculté, ça veut dire 3 mois de vacances. Alors ta mère et moi, on s'est dit que tu pourrais travailler un petit peu, ça te changerait. Alors j'ai justement un très bon ami qui... Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors hein, ça faisait la 3e fois qu'il me fait le coup. Je me suis tapé le charcutier, le boulanger, et je finis en apothéose avec le garagiste. Il a la dent ou comme ça? Non mais ça va pas ou quoi? Avec ce que je lui ai fait ce matin, je crois qu'il a compris, hein. Mais t'as pas envie de bosser, toi? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Attention, moi j'ai un championnat de baby dans 20 mois. Et d'ici là, faut que je fasse très attention à mes mains, elles valent de l'or. Et en plus, y a une sélection à la coupe intertroquée à la clé. Bon, désolé, faut que j'aille m'entraîner, le devoir m'appelle. Hein. Tu m'excuses, amour de ma vie? Allez, j'ai besoin d'un sparring partner, tu viens? Ah bon, bah écoute, désolé Laurence, tu sais ce que c'est, hein? Je peux pas laisser tomber un pote, non. Ouais, je sais, ouais. Salut, salut. Aurélie, je t'ai pas reconnue avec tes lunettes, là. Oh là là, tu fais une tête, toi. Qu'est-ce qui se passe? Dès que m'ont foiré mes examens. Non, c'est pas vrai. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit quand ils ont affiché les notes. Puis j'ai relu 3 fois et je suis bonne pour septembre. Ouais, ça va, tu les auras en septembre. Mais enfin, avec 3 hivers passés, je peux dire adieu à mes vacances. Ah ouais, ça, en effet, oui. 4. Ah, c'est pas grave, il y en aura 2 des vacances, non? Oui, c'est pas pareil. Bah, pourquoi des vacances et des vacances? Non, je devais partir 3 semaines en Angleterre avec Franck. Quoi? Tu pars avec les garçons? En plus, tu m'as rien dit. Ouais, mais enfin, ça s'est décidé au dernier moment, comme ça. Enfin, Franck m'a demandé de venir. Mais vous partez ce soir, non? Oui, enfin, on devait, parce que... je sais pas comment je vais faire pour lui dire que je viens pas. Plus, j'ai tellement honte. Ah, t'inquiète pas, il est tellement amoureux de toi qu'il peut tout accepter. Laurence, je peux te demander un service? Ouais, vas-y. Franck m'attend à la MJC. Tu veux pas aller lui dire à ma place que je peux pas venir parce que moi j'y arriverai pas? Hey, t'es folle. Tu peux pas faire ce genre de truc à ta place, hein. Ouais, remarque. Bon. Bah écoute, ça sert à rien de traîner, hein. Autant se débarrasser le plus vite possible des mauvaises nouvelles. Là, je t'accompagne. Ah bah si, tu veux y aller demain? Partez ce soir en Angleterre, je te signale. Allez, viens. Comment ça? De quel sexe je suis? Bah oui, je suis un homme. Ça s'entend pas? Je rêve, c'est quoi cette boîte? Ah, vous cherchez une femme? Bon, d'accord. Merci, au revoir. Encore un coup de fil pour rien. Tu pourrais faire gaffe quand tu sélectionnes, Philippe. Je suis désolé. Standardiste, ça aurait pu être masculin, non? Ouais, c'est vrai. Là, peut-être quelque chose, là. Référence exigée, expérience souhaitée, japonais parlé écrit. Non, oh là là. Il y a vraiment que dalle. C'est vraiment la galère. Ah, bonjour les filles. Salut. Salut. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle. Il y a un problème? Ouais, mais pas là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une cata là ou quoi? Je sais pas, tu lui demanderas. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Adèle? Tu connais pas la dernière? Adèle ne part plus en Angleterre. Il préfère se trouver un job d'été. C'est pour mes parents, j'aimerais qu'ils partent en vacances. Eux aussi. Mais ils le méritent plus que moi. Hein. Ça veut dire que tu restes? Ouais. Enfin, si je trouve un job.
C'est géant, on va pouvoir se voir tout l'été. Attends, c'est tout ce que tu trouves à lui dire, toi, bien sûr. Hein? Ça fait 2 heures qu'on essaye de le faire changer d'avis, et toi? Qu'est-ce que tu cherches comme job? Rien du tout, de toute façon, il trouvera rien. Alors autant qu'il parte avec nous. Mais attends. Je sais où il y a du boulot. Surtout pour toi qui es doué en mécanique. Ah ouais, où ça? Dans le garage d'un copain du père de Bruno. T'es sûr? Mais oui, tout à l'heure, Bruno est allé pour le job et il l'a pas eu. Et à mon avis, la place doit être libre. Hé, hey, Bruno. Oui? Qu'est-ce qui se passe, beauté de mes rêves? Je te manque? Et le job dans le garage. Ouais? Est-ce que tu crois qu'Adèle pourrait faire l'affaire? Adèle? pourquoi? Tu pars plus en Angleterre, non, toi? Je pars plus. Faut que je bosse. C'est quoi comme boulot? Ah, c'est une horreur, hein. Un boulot de mécano, les mains dans le cambouis, dégueulasse. Hein. T'es sûr que ça t'intéresse? J'adore la mécanique. De toute façon, j'ai pas le choix. Bon, bah écoute, comme on dit, hein, tous les goûts sont dans la nature. Tu veux que je te présente? Ah ouais, je veux bien. Ok. Bon, Nana, on s'appelle ce soir, faut que j'y aille. C'est cool. On y va, les copains? C'est cool. Oh, c'est bon. J'ai une mauvaise nouvelle. Adèle a peut-être trouvé un job. On va vraiment partir sans lui. Ouais, et sans moi. Sans toi? Comment ça, sans toi? Aurélie, elle a foiré ses examens. Elle est obligée de rester pour réviser, mais je peux pas la laisser. Mais attends, c'est quoi cette variante, Franck? Adèle qui trouve un job, qui me laisse tomber, toi aussi, à la dernière minute? Moi, je pars avec qui, moi, Franck? Avec moi. Ben oui, j'ai pu changer mon billet Paris-Londres pour Paris-Édimbourg. T'es content? Super cool. Monsieur Laplace? Oui, c'est qui? C'est Bruno, le fils de Michel. Ton père, il est pas là? Qu'est-ce que tu veux lui refaire ici, toi? Hein? J'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Laplace. Touche pas à la voiture! Bon, vous mettez pas dans cet état-là, monsieur Laplace. Hein. Moi, je voudrais vous présenter Laurence et un très bon ami à moi. Oh! Laurence, tu dis? Laurence? La petite Laurence? Mais tu serais pas la fille de Mathilde par hasard, toi? Hein? Oui. Oh, c'est pas vrai, la petite Laurence! Oh, ben ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu, nous? Tiens, au moins 5 ans, hein? T'étais. Hein? Bon, comme ça? Tu avais des nattes à l'époque, c'est ça? Hein? Ah, mais oui, je me souviens, vous êtes un ami de mes parents. Et comment? Ah, oui. Oh, il peut repasser plus tard, si tu veux. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pourquoi je te pose la question? Moi, bien sur la place, le job de mécano, ça tient toujours? Ah non, surtout pas, hein. Je tiens à la vie, moi. Alors, moi, je vais dire un bon truc, hein. Tu fais ce que tu veux, de la peinture, l'horticulture, la taxidermie, ce que tu veux, mais pas de mécanique. Non, pas de mécanique. Vous en faites pas, monsieur Laplace, c'est pas pour moi, c'est pour Adèle, mon copain. Adèle. Copain à moi. Adèle. Adèle? Hein? C'est un prénom de garçon, ça? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ah non, mais Adèle, c'est un excellent mécano, hein. En plus, il cherche un job pour les vacances, alors... Oui, alors c'est gentil, c'est très gentil de ta part, mais j'ai passé une annonce, hein, dans une revue spécialisée, moi. Voilà, merci. Monsieur Laplace, je vous promets, Adèle, il est vraiment doué en mécanique. Ah oui? Oui, mais j'ai un scooter, c'est lui qui l'entretient et j'ai jamais eu de problème. C'est vrai? Oui, je me débrouille, hein. Je vous jure, c'est vrai. Bon, ben... Fils, que c'est la fille de Mathilde qui le dit. Je veux bien le croire, hein? Petite Laurence. Bon, eh bien, on va faire le test. Voilà. Tu vas enfiler ce bleu tout neuf. Tout de suite, monsieur. Ici, et tu reviens. D'accord. Hein? Allez, hop. C'est dans la poche, tu vas voir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Rien, monsieur Laplace. Touche pas à la voiture. J'ai rien fait. Voilà, monsieur. Ah, voilà. Voilà un bon point. Hein? Le costume lui va. Bon, ben, au boulot. OK. Passe le chariot, toi. Mais dépêche-toi! Rêver aussi longtemps des vacances pour que 5 heures avant le départ, tout foire, tout tombe à l'eau. J'hallucine. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le destin. Destin? Mais quel destin, Franck? Si, personne n'allait prévoir qu'Aurélie allait foirer ses examens. Aurélie a peut-être foiré ses examens, mais toi, tu les as eus, Franck. Mais oui, mais Aurélie ne peut pas partir. Aurélie ne peut pas partir, mais toi, tu peux partir, Franck. Mais je sais, mais passer des vacances sans la fille qu'on aime, Philippe. Attends. C'est combien de filles en Angleterre? Il y en a au moins 30 millions.
Alors si t'enlèves les vieilles, les moches et celles qui sont déjà prises, il en reste au moins 1 million. Alors je vais te dire, il y a de quoi occuper nos vacances. Même si on avait 5 millions, ça changerait rien, Philippe. Moi, c'est avec Aurélie que je vais passer mes vacances, c'est tout. J'hallucine, t'es prêt à flinguer tes vacances pour une fille. En plus, vous êtes pas vraiment ensemble. Comment ça, on n'est pas vraiment ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ce que je veux dire, bon, vous êtes ensemble, d'accord, mais vous êtes pas réellement ensemble. Attends, mais Aurélie et moi, on prend notre temps, Philippe, c'est tout. Ouais, de toute façon, ça, c'est vos problèmes. Ouais, exactement. Ça ne regarde que toi. Ouais, exactement. J'ai le job. Ouh, yes. Super. C'est vrai, t'as engagé? Ouais, ça y est. Grâce à Laurence. Ouais, n'exagère pas, hein. Il connaissait ma mère, c'est tout. Eh, hey, je suis vraiment content pour toi, Adèle. Vas-y, viens là. Oh là là. Et toi, tu pars pas? C'est définitif? Ouais, c'est vraiment définitif, là. Bon, bah, moi, je pars, c'est définitif. D'ailleurs, si je veux pas louper mon train, il faut que j'y aille. Alors, je vous souhaite bonnes vacances, hein. Salut. Ok, salut, Philippe. Amuse-toi bien, hein. On va des cartes postales, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, salut les lâcheurs. Bonnes vacances. Ah, Philippe, ça y est, je suis prête, j'ai tout. T'as tout, t'es prête, mais de quoi? Bah, toutes mes affaires pour notre voyage à Édimbourg. Ah, parce que tu pars à Édimbourg, toi? Bah, oui, pourquoi pas toi? Ah, bah non! Oh, j'ai oublié de te dire! Oh, j'ai changé à la dernière minute, je suis désolé, faut que j'y aille. Je te souhaite bonnes vacances, allez, salut! Alors qu'il est, Philippe doit être dans le tunnel! Ouais, ça, il y a de grandes chances! 3 semaines en Angleterre, il va s'éclater. Ça aurait pu être mortel. Tu m'étonnes. Bon, allez, tu m'appuies un peu là. Un peu de sport, rien de tel pour monter le moral. T'as raison. T'as la forme, toi? Non, pas trop. En plus, je suis un peu raide, je crois. C'est pas très sympa d'avoir laissé tomber. Hein. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Enfin, j'espère que tu vas en profiter. Hein. Ouais, je pense. Bon, allez, on y retourne. Oh non, je... Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais sans Philippe, Franck, tu sais, c'est pas la même chose, hein. Moi, t'as pas tort. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Philippe, mais qu'est-ce que t'as raté le train? On peut dire ça comme ça, les amis. Bah, vas-y, raconte. Il y a rien à raconter. Partir en vacances sans ses potes, c'est nul. Et puis, j'ai bien réfléchi sur les millions de filles qui m'attendent. Il y en aura au moins 800 000 l'année prochaine, ouais, et ça me suffit amplement. Ouais, c'est génial, ça, c'est super. Et en fait, j'y pense, Karine. Karine, ouais. À cette heure-ci, elle doit être dans le tunnel. Bon, écoutez, on part pas en vacances, mais on va en profiter pour faire des chorégraphies en béton. Ouais. On va faire parler de nous, on va devenir des stars. Yes. Okay. Yes, yes. Allez, c'est parti. To be three, on a to be, on s'est trois.